Cela veut dire que la commanderie Saint-Jean se rattacherait à un ordre religieux et militaire et que l'église que nous connaissons aujourd'hui, là où nous sommes d'ailleurs, n'est pas l'unique bâtiment constitutif de cette commanderie Saint-Jean. La vocation religieuse de cette commanderie est d'ailleurs attestée par son nom, car il fait référence à Saint-Jean, c'est-à-dire à Jean-Baptiste, personnage de tradition chrétienne qui a donné le baptême à Jésus. En voici une petite représentation par Léonard de Vinci. Alors, la question qui nous vient alors est à quel ordre religieux militaire appartenait la commanderie Saint-Jean. Alors, ce sont les textes qui répondent encore à cette question, puisque l'archéologie, pour le moment, n'y a pas répondu. Enfin, que cette commanderie, plutôt, excusez-moi, a été fondée par l'ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, aussi nommé ordre des chevaliers de Rhodes ou ordre des chevaliers de Malte. Alors, cet ordre existe encore aujourd'hui, sous un nom qui englobe son histoire, puisque sa dénomination officielle, attachez-vous bien, est Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Les possessions de l'ordre situées à Corbeil et dans ses alentours auraient très vite été rattachées à cette commanderie Saint-Jean. Les biens étaient constitués de terres, toujours de vignes, de maisons avec des jardins, des moulins. Et donc cette commanderie aurait été rattachée à la maison de Tigerie, à l'hôtel Clos à Saint-Pierre-du-Perret aussi, la maison de Champagne près de Juvisy et la maison de Motogé près de Médecine. Alors, son influence politique et militaire a été d'ailleurs mise en évidence par le fait qu'elle était régulièrement visitée par les rois de France, et notamment par le roi Saint-Louis, puis Philippe le Hardi, par le fait aussi que les assemblées de chevaliers de l'ordre étaient réalisées dans ce lieu, et enfin par le fait qu'à partir de 1275 et jusqu'en 1353, elle y aurait abrité le siège du prieuré de France. C'est-à-dire que la commanderie Saint-Jean a été à cette époque gestionnaire des commanderies du nord de la France. Fils, mais n'avait plus de membres attachés. Les revenus du prieuré ne suffisent plus à son entretien et une rente de 200 livres lui est versée. Ce qui est extraordinaire, hein, un changement de situation assez important. Et ce déclin est d'ailleurs illustré par la diminution de ses effectifs, car au XVIe siècle, il n'était plus que 8 religieux. En 1631, l'ordre décide de le rattacher malgré tout, encore une fois, essaye de sauver cette commanderie et de lui rattacher la dignité de grand trésorier, qui est une dignité très, très importante pour cet ordre. Et donc, la dignité de grand trésorier a pour but la charge de la gestion du patrimoine financier de l'ordre. Mais malgré l'attribution de ce nouveau rôle, la gestion de la commanderie continue à être peu rigoureuse. En 1664, l'administrateur de Saint-Jean, par exemple, eut d'ailleurs justifié auprès du grand prieuré de France l'état déplorable dans lequel étaient les bâtiments. On lui supprime à ce commandeur alors ses propres revenus pour les affecter à la restauration des lieux. Donc on voit une dégradation des finances, mais on voit aussi une dégradation des lieux. Alors au XVIIIe siècle, les rapports de visite montrent qu'une certaine amélioration dans l'entretien des locaux, mais il constate apparemment un relâchement de la discipline, y compris parmi les prêtres qui sont en charge d'assurer le service religieux. Au milieu du XVIIIe siècle, la commanderie n'est alors composée plus que de 5 religieux. Donc là, on est dans un total déclin. La commanderie à la Révolution
bascule peu à peu dans le domaine industriel puisqu'elle a été confisquée à l'ordre. Et à partir de cette période, les bâtiments constitutifs de la commanderie sont peu à peu détruits. D'abord, la commanderie est donc, a été affectée, à, fut annexée à la poudrerie d'Essonne et utilisée comme usine de transformation du bois de fusain en charbon. Donc là, on prend l'ampleur de la transformation. Puis, au milieu, on va dire, autour de 1817, elle devient propriété de la famille Ferret. Là, je vous ai juste présenté quelques actes de vente que j'ai pu trouver dans les archives de la ville, donc aux archives municipales. Ensuite, elle est cédée à Paul Darblay, et Paul Darblay la cède ensuite à la Société d'Histoire et d'Archéologie de Corbeil, des Tempes et du Lorpois, qui installe un musée dans l'église. Voilà. Alors, en 1922, la société cède le musée à la municipalité, qui décide en 69 d'y affecter des travaux de restauration, et le musée est alors démantelé, et la commanderie devient un lieu d'exposition et de spectacle, comme on le connaît aujourd'hui. Alors, pendant ces fouilles, je n'ai pas de photos, parce qu'il n'existe pas de photos de ces fouilles, donc je n'en ai pas à vous montrer, malheureusement. Mais on a découvert sur ces fouilles ce qu'on appelle des pilettes d'Hippocauste, qui nous font dire que à cet endroit-là, il y avait un bâtiment gallo-romain prestigieux. Alors, les pilettes de Pocoste, c'est des petites piles et, qui représentent un système de chauffage. Alors, je l'ai ici, voilà. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ça les pilettes d'Hippocauste. Donc, on en a retrouvé là, justement, aux fouilles de 69. Donc, nous, on ne retrouve évidemment pas tout le bâtiment. Mais on retrouve juste les pilettes qui sont ici, on en a retrouvé quelques-unes, et qui montrent qu'il y avait sûrement un bâtiment prestigieux qui avait un système de chauffage qu'on pouvait trouver dans les thermes à l'époque. Et donc ça ne pouvait pas être. On ne pense pas que c'était des thermes, mais en même temps la zone fouillée n'est pas assez large pour qu'on puisse le confirmer. Mais on pense tout simplement que ça appartenait à une grande, à une maison de personnes riches de l'époque. Ces fouilles ont été dirigées par Marie-Joseph Spi, archiviste municipal à la ville de Corbeil, et toujours à la demande de la direction des antiquités historiques. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ces sondages ont pour but de comprendre les découvertes réalisées en 69. Voilà. Donc, découverte en 69, en 72, une nouvelle demande de sondage pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui a été découvert en 1969. Donc, je vous parlais de pilettes d'Hippocauste, elles sont là. Donc là, une ici, là, dans cette zone-là, et une autre juste là. Donc ici, c'est un fragment de sol qui date de l'époque gallo-romaine. Ici, un autre fragment de sol qui date de l'époque gallo-romaine. Ici, un mur, un autre mur qui date de l'époque gallo-romaine. Et ici, ce sol, là, hop, qui date de l'époque gallo-romaine. Le bleu, là, ce que vous voyez, les petites zones en bleu, c'est ce qui est daté de l'époque médiévale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut imaginer ce sol gallo-romain sur toute l'ampleur, là, sur toute l'emprise de la fouille. Et à l'époque médiévale, ils ont creusé des fosses pour implanter des sépultures. Et le creusement de ces fosses, là, on a une première sépulture ici, une deuxième sépulture ici. Et l'implantation de ces fosses a détruit le sol gallo-romain.